Et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez bloquer des dégâts avec un parapluie. Donc pour ceux qui ne savent pas, le parapluie vient de faire son apparition dans Fortnite. Ce parapluie peut bloquer des balles. Tout simplement, quand vous avez votre parapluie, vous appuyez sur R2 donc pour viser. Et en réalité, il va ouvrir le parachute et ça va lui servir de bouclier. Alors ce parapluie a plein d'autres utilités. Il peut faire des esquives de gauche à droite quand vous maintenez le parapluie pour bloquer les balles. Vous appuyez sur X pour sauter de gauche à droite et il va faire des petites esquives de gauche à droite. Vous pouvez charger aussi le parapluie quand il vous sert de bouclier. Vous appuyez sur R2, ce qui va faire une charge de parapluie et qui va foncer sur l'adversaire. Donc c'est très pratique aussi. Et vous pouvez tout simplement aussi appuyer sur R2 quand vous avez votre parapluie en main pour attaquer l'ennemi. Ce qui fera beaucoup de dégâts et sur le dernier coup, je pense qu'il fait carrément 100 de dégâts directement. Et dernière petite utilité qui est vraiment très sympathique de ce parapluie, c'est qu'à une certaine distance, par exemple vous sautez de 10 étages, et bien vous pouvez ouvrir votre parapluie et descendre un peu comme Mary Poppins faisait, donc en douceur. Par contre, si vous sautez de 20 étages, le parapluie il va se tordre et là vous allez tomber et vous allez mourir directement. Donc il y a bien une limite de hauteur à respecter. Enfin bref, là je vous ai expliqué un peu l'utilité du parapluie pour ceux qui ne le connaissaient pas. Maintenant je vais vous expliquer une astuce pour réaliser le défi. Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller bloquer des dégâts avec le parapluie, mais sur des acolytes. Parce que tout simplement, les acolytes, ils vont tirer tout droit dans le parapluie, ils vont pas se poser de questions. Que si vous le faites sur les autres joueurs, bah ils vont essayer d'esquiver les parapluies, ils vont pas tirer sur le parapluie, surtout qu'ils savent qu'il y a un défi. Donc rien que pour vous faire chier, ils vont dire, bah tu sais quoi, moi je tire pas sur ton parapluie, va te faire faute, tu vois. Donc allez le faire près des acolytes, je vous affiche une map avec tous les emplacements des acolytes, ça pourra sûrement vous aider. Donc voilà, rendez-vous à l'un des emplacements dès que vous avez trouvé un parapluie et réalisez ce défi très facilement. Donc voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère que mes astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, bah vous savez ce qu'il reste à faire pour m'aider à évoluer. Vous likez, vous partagez, c'est très important et vous vous abonnez si bien sûr c'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.